d'Anguin. Après Fabrice Soulois, l'entraîneur de Lionel, gagnant du Quintet, eh bien c'est au tour de Franck Nivard de répondre aux questions d'Audrey. Et on pose pour les photos, bien évidemment, Franck Nivard. C'est magnifique ce qu'il fait, parce que vous n'avez pas eu un parcours super facile non plus. Hein. Ah bah ouais non, bah Fabrice m'avait demandé d'être un peu offensif, vu que je gêne devant les tribunes. J'aurais mieux fait de rester où j'étais, je pense. Enfin bon, le chat est bon, voilà, il rattrape les erreurs qu'on fait. Ouais. Ouais, il effectue quand même sa rentrée, là, il s'impose avec une certaine facilité. Ah bah oui, non, bon, c'est un super cheval. Hein. De toute façon, il avait battu Bol des Gueules, c'est pas par hasard cet hiver. Hein. Non, c'est un champion tout simplement. Vous avez jamais douté durant le parcours? Non, bah, je voyais bien que j'avais fait un peu fort, mais bon, je connais mon cheval, il est un peu au-dessus, hein, il est supérieur à ces chevaux-là, donc c'est plus facile de gagner que cela. Bravo. Lionel qui confirme qu'il est l'un des meilleurs chevaux européens du moment après sa victoire dans le prix de Paris. Il s'impose dans le prix de l'Atlantique, fils de Look de Star, hein, qui était un cheval français sous la casaque de l'écurie des Charmes, qui avait remporté le critérium des jeunes en début de carrière pour l'entraînement de Pierre Allaire, qui est d'ailleurs présent aujourd'hui sur l'hippodrome. Fabrice Soulois récompensé. La deuxième place revient à un magnifique Thigo Détang qui sera totalement retrouvé aujourd'hui. Thigo Détang, fautif au départ et pourtant deuxième. Eh oui, Charles, qu'est-ce qui s'est passé au moment du départ? Le cheval était un peu trop tendu, il s'est fâché derrière la voiture, du coup il était au petit gars de chasse. Ouais, il a fallu le remettre, vous avez perdu énormément de terrain. À ce moment-là, on n'y croyait plus. Hein. Oui, bah, la distance était énorme. Donc là, la course qu'il a fait, c'est super. Ouais, vous avez senti quand même après sa faute que le cheval avait envie d'y aller et était apte déjà à effectuer une super performance. C'est magnifique quand même ce qu'il fait aujourd'hui. Ah oui, derrière, il était bien tout le parcours. Et dans le virage, quand j'ai débouché, je me suis dit il faut que je décale parce qu'il avait vraiment encore beaucoup de gaz. Vous êtes étonné de sa prestation? Étonné, bah le cheval, ouais, on peut toujours être étonné quand il fait une course comme ça, mais le cheval revient au top de son niveau. Et bah, félicitations, bravo à toute l'équipe. Et avant de poursuivre. Et avant de poursuivre, excusez-moi, messieurs, mais avant de poursuivre à Anguin, j'aimerais revenir sur l'arrivée qui était très très pointue pour la 6e à Châteaubriant. C'est bien le numéro 13 qui arrive en tête, suivi du 3, 8, 4 et 6. 13, 3, 8, 4 et 6. Vraiment impressionnant. Hein. C'est vrai que dans le dernier tournant, il semblait marcher au-dessus des autres. Hein. Il était complètement dehors. Et Charles a bien fait de le décaler puisqu'il ne demandait qu'à avancer. Et la lutte pour la seconde place a été très belle avec un mec Gary Pré, mais il a été très bon parce qu'il s'est retrouvé quand même très loin. Mais il n'est jamais si fort que quand il est battu dans un parcours et qu'il peut s'exprimer simplement dans la ligne droite d'arrivée. Voilà donc pour ce prix de l'Atlantique, hein, la victoire de Lionel associée à Franck Nivard. Alors vous n'entendrez pas, hein, Pierre-Emmanuel.